La grande vocation de la nourriture pranique, c'est d'apprendre à voyager léger et de traverser cette vie le plus léger possible. Parce que nous sommes, surtout en Occident, assez lourds. Lourds dans le corps, trop denses dans la tête. Schématiquement, trop ici, trop en haut et trop en bas. Les émotions pas forcément bien gérées et donc pas bien digérées, ça veut dire que c'est plus ou moins aménagé dans le fait de trop manger, trop souvent, trop mal. Donc trop le manger, trop d'émotions, mal gérées, c'est pas que les émotions soient un problème, mais mal gérées, et trop dans le mental. Et donc la réponse, elle est ici, entre les deux, l'équilibre des deux, c'est pas qu'il n'y ait plus de mental ou plus de manger, c'est surtout que ce soit un équilibre, comme un crayon sur le doigt, ça tient parce qu'on se tient au milieu, c'est le juste milieu. Et le juste milieu des bouddhistes, il est très universel finalement. Donc c'est ça que j'aimerais vous proposer d'expérimenter ce soir. Et que qui dit apprendre à voyager léger, dit se détacher du superflu, du surplus. Vous savez, c'est dans cette vie trépidante, c'est pas toujours facile de se poser, de déposer, de se reposer et de se rencontrer. Et parfois de se réconcilier. Pour être plus en phase avec soi-même. C'est ça la démarche pranique. C'est pas j'arrête à tout prix de manger. C'est plutôt arrêter de manger mécaniquement, de façon inconsciente, pour apprendre à se nourrir de façon consciente et pertinente au regard des besoins du corps. Ça sous-tend de gérer les fins mentales et les fins émotionnelles, pour ne plus les compenser par le remplissage, quoi. Et par voie de conséquence, une fois encore, eh bien, il y a des Henri Montfort, il y a des Dominique Verga, il y a des Isabelle Hercelin, il y a des Victor Troviano. Voilà. Mais ce n'est qu'une conséquence. Et ce n'est pas ça qui garantit le succès d'une vie plus heureuse. Ce n'est pas en étant forcément dans « j'ai arrêté de manger » que vous allez être plus heureux. Sauf si c'est inscrit, j'ai envie de dire karmiquement, pour vous, dans cette incarnation-là, ça se présentera. Ça se présentera et ça le fera. Et il y a des gens qui sont restés 10 ans sans manger et qui ont remangé depuis, parce que c'était juste aussi. Donc tout va bien, tout est juste. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est jamais qu'une histoire de conscience au présent. Et donc, qui dit détachement, dit, tôt ou tard, le vide. Et le vide est censé être nourrissant, à condition qu'il ne soit pas source de frustration. Parce que quand on fait le vide, ben on se sent vide. Et quand on se sent vide, souvent on ne se sent pas bien. C'est plutôt associé à « je me sens pas bien ». Alors qu'il est question de se sentir plein tout en étant vide. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que le vide, je le disais le 21 novembre, est confondu avec le néant, fait peur. Et c'est la grande angoisse de la mort, la grande peur de mourir. Dans certains pays, à cette heure-ci, j'ai animé une retraite pranique en Roumanie. En Roumanie, c'est impossible de jeûner, ils ne savent pas jeûner. Une journée, c'est, pour eux, c'est la fin du monde, c'est la fin de la vie, ils vont mourir s'ils ne mangent pas une journée. Il y a des pays où c'est complètement inconnu, le jeûne. Et ça commence par manger moins et jeûner un petit peu plus, mettant l'accent sur le végétal, etc. etc. Je ne vais pas tout réexpliquer. N'hésitez pas si entre-temps il y a des questions relatives à l'aspect conceptuel, théorique, entre guillemets, ou à l'issue des pratiques. Je vous solliciterai aussi sur comment vous avez vécu telle pratique que vous allez expérimenter, peut-être que vous connaîtrez déjà, mais j'aimerais que ça soit participatif. Donc le détachement. Alors comment se détacher en accueillant davantage le vide, sans faire le forcing et sans être frustré, parce que si je suis frustré, je vais y retourner, je vais me remplir encore plus pour ne pas être frustré. Donc il n'y a jamais à forcer quoi que ce soit. La réponse, elle est... conscience. Si je suis dans la conscience, le vide devient nourriture et le silence, le vide de parole, le silence, c'est la première des nourritures pour la conscience. Et neuroscientifiquement, ça participe aussi à l'énergie de vie qui nourrit la cellule. De plus en plus, les neurosciences, la physique quantique, psychologie, médecine, physique quantique mettent en évidence ces phénomènes-là. Donc vous avez Aristote qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Aristote ? La nature a horreur du vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait penser à l'abondance, en fait. L'abondance? L'abondance de vie, parce que... Alors, c'est intéressant, parce que vide, si vous enlevez le dé de vide, il nous reste la vie.
vide, vie. N'ayez pas pensé à ça. Alors, c'est peut-être une coïncidence. La nature a horreur du vide. C'est faux, c'est archi faux. La nature a horreur du vide. La physique quantique a montré que la nature était fondamentalement remplie de vide. Le champ unifié quantique, le vide quantique. Et le vide quantique, il n'est pas vide, il est plein d'énergie, d'information, et en fonction de cette information, d'une certaine conscience. Donc c'est une illusion d'optique, c'est une croyance limitante que de croire que le vide est vide. Comme tu l'as lu sur ton petit passage, le vide n'existe pas. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, eh bien on est toujours dans le réflexe compulsif de remplir, quoi. Et puis vous avez Blaise Pascal, un écrivain français, qui a dit « L'homme a dans le cœur un trou en forme de Dieu ». Alors, je ne suis pas là pour faire de la religion, hein, mais, donc je vais plutôt traduire comme le divin. Le divin serait en chacun, dans le cœur, au travers de ce trou qui est dans le cœur ou le cœur lui-même. Et en réalité, ce divin, nous ne le rencontrons que très peu dans sa vie, dans notre vie, parce que nous passons notre temps à remplir ce trou qui nous fait peur, qui nous renvoie au vide. C'est Laurent Gounel, Dieu voyage incognito. Ce sont tous ces auteurs qui ont parlé de la même chose. Mauroy Givaudan, il n'arrête pas de parler du divin en termes de vibration, de champ, de perception, de conscience, au travers de la décorporation astrale, etc., etc. Et je vous propose une première connexion à cet espace du vide qui n'est pas vide. Si ça vous va, on y va. Ici et maintenant, je vous invite à vous installer, si possible dos droit, même si vous êtes allongé, c'est pas grave. Le dos ni cambré ni avachi. Nous sommes une antenne cosmotellurique, nous recevons les énergies terre, ciel, ciel, terre, et nous transmettons. Si possible, je vous invite à fermer les yeux et à tourner le regard vers l'intérieur.